Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Via Ferrata. Aujourd'hui je me trouve à la Clusaz pour la Via Ferrata Yves Paulet-Villard. Donc la Via Ferrata elle porte ce nom en hommage à Yves Paulet-Villard, bien entendu, alpiniste français qui est originaire de la Clusaz. Et donc pour ceux qui voudraient localiser la Via, en fin de compte elle se situe après la Clusaz sur la route du col des Aravis. C'est très très bien indiqué, il y a deux parkings possibles. Un vraiment au pied du chemin d'approche et un autre qui se situe environ 200 mètres sur la route. Donc voilà, l'accès est plutôt simple. Et ensuite on a une petite marche d'approche annoncée en 20 minutes à peu près, donc voilà, du classique finalement pour les vias que j'ai fait jusqu'à maintenant. En général on a entre 10 et 20 minutes d'approche qui permet à chaque fois de s'échauffer, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et encore plus cool, vous venez de le voir, c'est que on a une marche d'approche qui se situe à l'ombre sous les sapins, donc ça c'est pas négligeable parce que là la paroi est exposée plein sud et là on est l'après-midi, donc je pense que je vais pas avoir froid du tout. Je pense à privilégier quand même le matin quand ça chauffe un petit peu moins. Alors niveau fiche technique, la via est fait 700 mètres de long pour 300 mètres de dénivelé. Donc en gros on part à 1500 mètres d'altitude et on arrive à 1800 mètres. Temps estimé il est annoncé en 3-4 heures. Bon, vu l'expérience que j'ai pu avoir au niveau des autres vias que j'ai fait ou même de la rando, je pense pouvoir la faire en 2h, 2h30, on va voir ce que ça donne. Mais en général ils ont tendance à surestimer un petit peu pour tomber au plus juste, je pense, voilà, si vous la faites en groupe avec des enfants, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En tout cas il fait grand beau, ça c'est cool. Il y a un petit peu de vent donc c'est cool, ça va atténuer un petit peu la chaleur. Et par contre j'ai l'impression que c'est une via qui est plutôt fréquentée. Le parking était blindé. Alors est-ce que tout le monde fait la Via Ferrata? Je ne sais pas. Mais voilà, on va voir ce que ça donne sur la paroi. On va faire ça tranquille comme d'habitude. Je vais essayer de vous la présenter au mieux pour ceux qui souhaiteraient la faire. Je vais essayer de changer un petit peu le format d'ailleurs par rapport aux vidéos précédentes. Je vous mets d'ailleurs la playlist juste en fiche ici. En gros, ce que je vais essayer de faire, c'est de suivre les tronçons qui sont annoncés pour le balisage de la via. Vous verrez en gros si vous lancez dans cette activité. La via est découpée en tronçons. Parfois, vous avez des plaques sur la paroi pour vous annoncer où vous en êtes. Et ça vous permet de vous repérer sur la via. Donc voilà, j'essaierai de faire des petits chapitres au niveau de la vidéo pour que vous aussi vous puissiez vous y retrouver et potentiellement revoir les secteurs qui vous intéressent au mieux. Et au niveau de difficulté, cette Via Ferrata elle est notée D, donc pour difficile, donc rien d'insurmontable, mais je pense que voilà, il faut un minimum de conditions physiques et ne pas trop avoir peur du vide, j'imagine, encore une fois, pour pouvoir la faire, sachant qu'il y a un petit tronçon qui est noté D+ sur la fin, mais il y a un échappatoire pour l'esquiver, ce qui la rend encore plus accessible. Bon, je suis en train d'en chier pour la marche d'approche avec toutes ces explications, mine de rien elle est plutôt raide, hein. Donc on se retrouve au pied de la falaise, à tout de suite. Ça y est, me voilà au pied de la paroi. Tout de suite, je m'assure et c'est parti. Alors, ça commence par du raid. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Hein. Et cette première partie s'appelle tout simplement le départ. Alors, elle est vraiment courte. Hein. Et ça permet de se lancer sur la via. Alors, attention, là, je me rends compte que les rochers sont très, très glissants sur le début, en tout cas. Donc, méfiance. On aura des bonnes prises au niveau des mains. On va s'en prendre une dès le début. Bon, là, je pense qu'on aura un peu le même phénomène qu'à celle de Thône. Dans le sens où on surplombe vraiment la route qui monte au col des Aravis. Là, on est en plein été. Donc à mon avis, les motards, ça va y aller. Les gens qui vont au col des Aravis se promener, même chose. Donc voilà, on sera, je pense, beaucoup moins en pleine nature que pour celle du Grand Bornand et la Tour du Jaloux. Donc voilà, première partie, hein, le départ. Alors tout de suite, on est proche du vide. Et très vite ce phénomène de hauteur, on est à une petite 5-6 mètres je pense. Bon voilà, ça c'est ce qui me plaît bien, quand ça monte tout de suite dans l'aérien. Pinaille pas à faire de la rando avec un mousqueton. Quand je vous dis que ça glisse énormément, là vous voyez, la roche est lustrée. C'est quand même assez ouf. Je pense que la via elle est à proscrire vraiment les jours de pluie, parce que ça doit être juste horrible. On a une petite partie un peu escalade. Est vraiment proche du rocher et là ça monte tout de suite, tac. Avec ces petits barreaux qui nous aident, heureusement. Là on a vraiment besoin des aides, les barreaux, etc. pour s'assurer à la paroi, parce qu'elle est tellement lisse que c'est impressionnant. Et là voilà, en gros on découvre la falaise, donc elle est exposée plein sud et on va monter là le long, tout au long de la paroi. Donc on voit, comme je vous disais, que c'est assez fréquenté. Là j'ai deux groupes devant moi, de 5 personnes à peu près chaque groupe, donc ouais, une dizaine de personnes devant, contrairement aux autres que j'ai pu faire où il y avait max 3 ou 4 personnes. Après on est en plein été aussi, donc je pense qu'il y a pas mal de gens, on va dire des touristes,
eh ben, qui viennent en profiter aussi, hein, ce qui est normal. Donc voilà, peut-être à privilégier hors saison pour éviter d'avoir trop de monde. Et ça continue pour cette partie du départ qui est très verticale finalement, on n'avance pas beaucoup le long de la paroi. Par contre, ça grimpe assez fort, on prend vite de l'altitude avant, je pense, justement de longer un peu plus la paroi. Bon, ça y est, j'en ai terminé avec le départ. On attaque le deuxième tronçon avec la traversée du bon pied qui va en gros longer un peu plus la paroi là, de façon moins verticale, pour nous emmener au tronçon suivant qui est un petit peu plus haut. Bon, comme vous voyez, rien de très difficile ici, hein. On est vraiment sur un petit chemin un type rando. On a le câble quand même parce que bon, une chute à droite, ce sera pas rigolo. Mais voilà, ça se fait bien. Il limite en fait le câble du fait qu'il soit vraiment accroché à la paroi, vous voyez. Là typiquement on pourrait passer complètement à droite. Mais comme je suis accroché au câble, en fait ça m'oblige à grimper sur la paroi. Et ça rajoute un poil de difficulté, c'est pas mal, ça permet de rester assuré et d'éviter de se taper le truc en mode uniquement de la rando quoi. Hop, allez, on reprend un peu de verticalité. Et encore une fois, les pierres sont lustrées par le passage des gens. Je pense que c'est la plus fréquentée que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ça se voit en tout cas sur la paroi. On a beaucoup moins ce phénomène sur les autres vias que j'ai pu faire. Et par contre, au niveau difficulté, ah bah, donc elle est D+, comme je vous disais. Effectivement, c'est pas la plus aisée en tout cas de celles que j'ai pu faire. Dans le sens où bah, les pierres sont glissantes. Il y a des bonnes marches à grimper, des bons gaps. Ce qui fait que c'est un petit peu physique. Il faut rester en contact permanent avec le rocher pour éviter de s'en prendre une. Et là, vous voyez, il y a un léger dénerre. Encore une fois, la roche, c'est patinoire. Donc là, si je fais le choix d'utiliser que le rocher, eh ben, il n'y a pas trop le droit à l'erreur, mine de rien. Donc c'est intéressant, ça. Ça rajoute un petit level de difficulté. Malgré que la via en soi soit pas forcément ultra technique. En tout cas, malgré tout, il faut rester concentré à ce qu'on fait. Donc là, voilà, au niveau panorama, donc on a principalement la route qui mène au col des Aravis, qu'on aperçoit là-bas juste derrière avec le chalet. On distingue très bien les deux parkings aussi pour le départ de la via. Donc il y en a un dans le virage là-bas et l'autre qui est juste derrière les arbres. Et ensuite, la marche d'approche qui monte ici dans les sapins. Au niveau montagne qui nous entoure, pour l'instant, on n'a pas un gros panorama. On voit bien la pointe de Mer d'Acier juste en face, la dent du Châtelet juste à gauche et la pointe de la Blonnière encore à gauche. Voilà les principales montagnes qu'on voit à ce stade. Je pense qu'une fois qu'on aura monté un peu plus, on aura un meilleur panorama. Peut-être sur le Mont Blanc, je ne sais pas trop. Allez, on continue. J'ai fait à peu près la moitié du deuxième tronçon. Et là, on continue à prendre vraiment de la hauteur. Et on voit les deux niches là juste au-dessus, c'est là qu'on va. Ça monte sec. On peut voir qu'on n'est pas super haut, hein, je dirais une quinzaine de mètres maximum. Malgré tout, on est en contact permanent avec le vide. Là, on est vraiment au ras de la falaise et il n'y a pas vraiment d'aplomb rocheux sur lesquels on avance. C'est vraiment que les barreaux, en tout cas jusqu'à présent. Allez, encore une fois, un bon secteur avec de la verticalité. On va prendre de l'altitude avant d'attaquer là le troisième tronçon. Hop. Donc là, voilà, on arrive au troisième tronçon qui s'appelle le Donjon des Deux Niches. On en voit une ici, juste à droite. Donc ça continue de grimper sec. Et je pense que le panorama là-haut sera plutôt pas mal.
Bonjour. On voit le passage de la première niche. Ça constitue un petit endroit où on peut se reposer, boire un coup à l'ombre. C'est un passage qui est assez impressionnant niveau vertige parce que on est vraiment en surplomb du vide. Même si c'est peu physique. Et là, il faut passer derrière. Ok. Bon, j'ai enlevé la bonnette contre le vent sur la GoPro parce qu'elle est surchauffée. J'espère qu'avec le vent ambiant, vous m'entendrez bien quand même pour les commentaires. En tout cas, là, on commence à avoir un panorama assez cool. On prend de la hauteur, il y a de la verticalité. Et on voit tout en bas tout le chemin qu'on a parcouru. C'est vraiment sympa. Allez, ça continue. Donc là, ce que je peux constater sur cette via-là, c'est qu'il y a beaucoup de moments où on a de quoi s'aider des mains. Avec des barrières comme celle-là, etc. Des barreaux. Et finalement, au niveau des pieds, il y en a quand même moins. C'est beaucoup, beaucoup le rocher. D'où le fait qu'il soit limé par les passages des différents pratiquants. Mais voilà, c'est surtout au niveau des bras que ça se passe. Et là, bon, il n'y a rien du tout. Attention à la chute. Le rocher est quand même bien lisse. Bon, là, niveau timing, ça fait une bonne demi-heure que je suis parti. Donc, incluant la marche d'approche. Je suis au troisième tronçon, donc on va voir ce que ça donne par la suite, si je serai plus rapide ou moins rapide. Bon, là, vraiment, si on veut pas céder de la corde, du câble en tout cas, il faut aller vraiment chercher les prises. Hein. Elle est intéressante pour ça, je trouve. Ça permet de prendre un peu de skill en escalade, sans se lancer tout de suite dans des grandes voies. Une petite transition, la pépouse. Allez, changement de plan pour attaquer la quatrième partie de la via qui s'appelle le mur du bon geste. Donc là, de ce que je vois, ça a l'air d'être une partie quand même assez verticale. C'est pour ça que j'ai choisi ce plan-là. Ça devrait être plutôt fun. C'est parti. Et quand j'ai vu passer les personnes devant moi, ça avait l'air assez technique quand même. On va voir ce que ça donne. On va tout de suite à la verticale. Là, c'est le vide. Après, c'est bien alimenté en barreaux. Mais bon, il y a de quoi faire quand même, donc c'est cool. Par contre, là, ouais, on a pris vite du gaz en quelques mètres. Et là, on est sur une petite partie qui va longer la falaise, tout simplement. Bon, là, je viens de laisser sur le côté, du coup, le tronçon numéro 5 qui était un échappatoire. Et donc là, on est au niveau du numéro 6 qui s'appelle Au bonheur des dames. Donc là, on longe vraiment la falaise. Hein. On est sur le caillou. Et ça grimpe. Bon, là, je viens de dépasser le groupe qui était juste devant moi. Bon, forcément, en groupe, on progresse relativement moins vite. Hein. Donc, ils ont été très gentils, ils m'ont laissé passer. Bon, là, rien de très technique. Hein. On chemine le long du rocher. Rocher d'ailleurs qui a beaucoup plus de grippe à cet endroit, ce qui est pas plus mal. On se sent quand même plus en confiance. Donc là voilà, on arrive sur l'Arvi passerelle. L'échappatoire que je viens de prendre tout à l'heure, il permet d'éviter la passerelle tout simplement. Voir ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal. Je sais pas ce que ça va donner encore une fois niveau stabilité. Là on a tout de suite... Ah non, je me suis gouré. Le câble pour s'assurer s'essuie du dessous. Sinon on va être coincé encore une fois. Voilà. Et donc là faut vraiment pas avoir le vertige. Ça envoie du gaz.
l'accès est pas simple, faut passer sous le câble, mais la passerelle est relativement stable. Donc ça c'est cool. On va la tenter encore une fois sans les mains. Et ouais, au final elle est carrément plus stable que celle du grand bout. En fait il y a vraiment deux câbles et c'est d'un seul tenant quoi. Là, à la différence de l'autre où il y avait vraiment plusieurs tronçons à chaque fois. Là ça se fait bien. Finito. Attends, on est vraiment à bout de pied là. Passerelle passée sans encombre, relativement stable donc simple, ça c'est cool. Alors qu'on arrive à la partie numéro 7 qui s'appelle la dalle du Lapia. Je pense que c'est toute la traversée là, vraiment à même le rocher. Bon, elle est plutôt intéressante cette partie. On grimpe vraiment sur la dalle là, sans forcément besoin d'essayer beaucoup des mains puisque l'équipement au sol est vraiment conséquent. Il y a des barreaux tous les 20 cm environ et on voit que la roche est poncée par le passage des mains de chaque personne. Et là on a un joli surplomb qui va faire monter un peu l'adrénaline. Ouais, ça va, ça dure vraiment un mètre. En tout cas, via bien cool. Hein. Elle se rapproche un peu de celle du Grand Bornan, la tour de Jalouvre, pour sa partie proche du rocher. Il y a plus d'équipement, je trouve, plus de barreaux, etc. Mais voilà, dans son style, elle est vraiment pas là. On n'est jamais extrêmement haut, même si on prend quand même du gaz. Et en fait, on traverse vraiment la paroi d'un bout à l'autre. On est tellement contre la paroi, je sais pas si vous l'entendez, mais ma montre, elle galère même à choper le GPS. Elle pense qu'on est vraiment dans le rocher. Allez là, échelle de barreau. Il y a toujours du vent. Heureusement, je pense qu'il va être vraiment trop bon jour. Là, c'est assez supportable grâce au vent. En tout cas, on continue de monter. Hein. Même si on longe la paroi, c'est vraiment le côté ascensionnel. Bon, là, je suis tout seul, mais en groupe, il y a vraiment moyen de faire des belles photos, je pense. On voit vraiment toutes les parties qu'on vient de passer. Donc, s'il y a quelqu'un qui passe devant, pour les photos ça peut être fun, je pense. Allez, je pense qu'on en a bientôt terminé avec cette septième partie et je pense que je vais attaquer, si c'est pas déjà fait, la huitième, donc la traversée des Jardiniers. Alors soit c'est ce que je viens de faire là, soit c'est juste après cette montée là. On va voir s'il y a un panneau. On a une partie bien verticale de nouveau, une échelle de barreaux. Bon, j'ai pas vu de panneau, je sais pas si j'ai déjà passé la traversée des Jardiniers, et si c'est le cas, c'est que j'arrive à la sortie à la retourne. Vu le nom, je suppose que ça se traduit par un dévers pour la fin et pour la sortie. C'est ça qu'on peut éviter grâce à l'échappatoire. Et huitième portion, la traversée des Jardiniers, elle s'appelle celle-ci. Normalement, c'est l'avant-dernière avant la sortie. Je pense qu'on va de nouveau longer un petit peu la paroi avant la fin. Et là, c'est vraiment vertical sur la paroi. Mais la paroi n'est pas forcément très raide. Donc au final, ça se fait bien. On n'a pas trop la sensation de vide, ce qui est plutôt pas mal. Traverser des Jardiniers, ça me paraît quand même plutôt sec. Hein. Je sais qu'on est dans une année à sécheresse, mais là, je
défie n'importe quel jardinier de faire pousser un truc ici. En tout cas là il n'y a plus aucune aide pour s'assurer. On est vraiment à même le caillou, attention aux glissades sur voilà, 1 ou 2 mètres. Bon, ça se fait bien hein, mais on va s'en prendre une sinon on chute juste en bas. Alors on continue à prendre de la hauteur et on aperçoit de nouveau mon ami la tournette là-bas, avec juste derrière, pour ceux qui connaissent, le lac d'Annecy tout simplement. On commence à voir un panorama de plus en plus large. Allez, on continue. Bon là j'ai pris un peu de gaz sur quelques mètres, donc je pense que pour la suite on va vraiment longer la paroi. Je comprends un peu le terme de jardinier, il y a un peu de verdure. C'est moins rocailleux finalement, sur la partie qui est là en tout cas. Voilà, attention de ne pas glisser dans les cailloux roulants et la terre. Bon là, le niveau de difficulté se calme un petit peu. On est vraiment sur une partie de transition, je trouve. Il y a moins de dévers et on a de plus en plus de choses sous les pieds. À part des barreaux et des petits appuis en métal, on a de plus en plus de la roche, comme on peut voir juste devant moi. Là. Donc ceux qui se poseraient la question de prendre l'échappatoire, et ben, à part la hauteur de la passerelle, jusqu'ici ça me paraît relativement accessible. La dernière question, ça va être la sortie, puisque c'est cette sortie là qui est cotée la plus dure, donc on va voir. Bon, ça fait une bonne heure que je suis parti, donc voilà, je pense que mon estimation de 2h30 est plutôt pas mal. Je sais pas trop combien il me reste, mais sachant que je suis au 8e tronçon sur un total de 11 en comptant la sortie, je pense que j'ai déjà fait une bonne partie. Ouais, cette partie là elle va être plutôt bien pour se reposer finalement. On est vraiment sur un tronçon randonné, comme j'aime les appeler, où ça pourrait quasiment se faire sans câble. Bon, je sais pas si vous entendez bien à la GoPro, mais c'est vrai que le bruit de la route est quand même omniprésent. Il y a des bus, des motos, les voitures qui passent. Alors, on est plus éloigné qu'à Thônes, mais ça fait quand même un brouhaha ambiant, pas forcément ultra agréable. Maintenant voilà, je suis motard aussi, c'est vrai que ce genre de route en moto, on va pas se mentir, c'est quand même pépite. Il en faut pour tout le monde. Et là oui, ça monte, ça y est. Dré dans le pentu, comme on dit. Et là, on a une partie vraiment rocheuse, sans beaucoup d'assistance. Par une petite plateforme là, un petit anneau là. Je vais essayer de m'en passer, voir ce que ça donne. Si c'est compliqué ou pas. Bon, ça va, les prises sont relativement faciles à trouver et à attraper. C'est coolos. Et on monte et on monte. Bon, cette portion là est assez longue hein. Peut-être que je vous la mettrai en accéléré ou je couperai carrément, mais voilà, globalement on est à même le rocher et on chemine le long de la paroi, ce qui va nous emmener je pense vers la fin de la via. Ok, donc là on est sur un passage sans équipement à part le câble. Il y en a beaucoup sur cette via, c'est vraiment ce qui la caractérise. Encore pire que la tour du Jalouvre. Il y a vraiment parfois, comme ça, une quinzaine, une vingtaine de mètres sans rien. Juste le rocher et le câble. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Alors les prises sont faciles à trouver. Hein. C'est là où le rocher est poncé par le passage de tout le monde. Et du coup, ça accentue un petit peu le niveau de difficulté d'une via qui est relativement accessible quand même. Et là, typiquement, je pense à la chute. C'est-à-dire que je suis vraiment attentif à ce que je fais. Quand il y a des barreaux ou des trucs plus stables, eh ben on y pense vachement moins parce que par définition, on est plus stable. Là, on se dit vraiment, faut pas chuter quoi, parce que je serais retenu par le câble, hein, je suis safe. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de se faire mal sur les rochers ou autres. Donc voilà, c'est des parties qui mettent un peu plus la presse et faut rester attentif, mais c'est intéressant, je trouve. Oui, celui-là, il peut faire peur. Parce qu'il faut lancer le pied sur une plateforme qui fait 5 cm par 5 cm à peu près. Et en dessous, c'est le vide. Et on rejoint une petite partie de transition où le sol est beaucoup plus plat pour rejoindre la partie finale tout simplement qui va nous faire sortir de la via à 1800 mètres.
Et me voici arrivé à la fameuse sortie à la retourne. Comme on peut voir là, il y a un bon gros surplomb qui fait pas loin d'un mètre, je dirais. Et bien entendu, on a l'échappatoire qui permet de sortir par la sortie des Aravis, qui sera un peu plus simple. Bon, je vais tenter la sortie à la retourne. Je pense que la grosse difficulté, ça va être de choisir le bon moment pour changer les mousquetons, tout simplement. Le passage est pas très long en soi. Les barreaux sont assez imposants, donc on a de quoi s'agripper et se mettre vraiment à plat. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre le temps, pas se précipiter. Et surtout bien se poser pour faire le bon choix de changement de mousqueton quand on est stable. On attaque. J'anticipe sur mon prochain changement. Je le garde à l'œil. Là, on a une bonne prise. Voilà, là, je suis stable. Je change, ça ne me demande pas beaucoup d'efforts. J'ai pas beaucoup de distance à faire. Tac. Et là que je suis vraiment stable, j'ai pas beaucoup avancé, mais tout de suite, je change. Ça me permet d'être serein pour le passage du surplomb en lui-même. Vous voyez quand même des très bonnes prises. Aucun souci de physique, faut juste, comme je disais, anticiper sur les mousquetons. Ouh. Il est pas très long, hein, donc au final ça tire pas, on n'a pas le temps de tirer sur les bras ou quoi, donc ça passe relativement bien. Je le conseille à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici, je pense. Voilà, en prenant bien le temps, en anticipant un petit peu le truc, ça se fait relativement bien. On voit ce que ça donne par la suite, mais je pense avoir fait le gros du dévers. Bon, là c'est pas très simple parce qu'on passe de part et d'autre du câble, mais bon, ça se fait bien. Ouais, ça finit en gros par une échelle de barreaux, hein, tout simplement. Bon, ici il y a un très léger surplomb, mais bon, il est à hauteur d'homme, donc aucune difficulté, ça passe bien. On est pas mal. Bon, du coup, ça fait une grosse heure que je suis parti, et étant donné que je suis sur le dernier tronçon, je pense qu'il faut compter peut-être une heure et demie. Selon le rythme que vous avez, et bon, encore une fois, moi je suis tout seul, donc ça va vite. Et me voici, je pense, arrivé à la sortie pour le moment. Ben voilà, fin du game pour la Via, c'est parti pour le chemin de la descente. On voit qu'on a un magnifique panorama sur la vallée. Sur la crête là-haut, on aperçoit le télésiège du Cré du Merle, qui fait partie de la station de la Clusaz. Et juste derrière moi, de l'autre côté, la combe de Borderan. C'est d'ailleurs ici même que je me suis éclaté en ski cet hiver. Je vous mets la vidéo en fiche pour ceux qui ne l'auraient pas vue, mais du coup je comprends mieux pourquoi il y avait des cailloux affleurants. Effectivement, on voit cette grosse masse de rochers là, avec la sous-couche qui était inexistante de ce jour-là. Je comprends mieux pourquoi. En tout cas, je me rappellerai la bonne partie. Contre le rocher, à droite toute. Bon, allez, c'est parti, j'attaque la descente et on se retrouve en bas. Bon, et bien voilà, me voici de retour au parking, avec juste derrière moi, en surplomb, et bien la falaise que je viens d'escalader. Donc j'aurai bouclé au final en 2 heures environ. Donc voilà, par rapport à l'estimation annoncée qui se faisait entre 3 et 4 heures, c'est un petit peu surestimé, mais voilà, c'est vrai qu'encore une fois, moi je suis solo. En groupe, on va un peu moins vite, donc je pense que 3 heures, 3-4 heures, c'est assez bien dosé. En tout cas, cette via, eh ben, je pense que c'est le meilleur compromis entre difficulté et temps de retour par rapport à celle de Thônes, par exemple, qui a vraiment un niveau de difficulté élevé, mais qui est relativement courte, ou celle de la tour de Jalouve, qui est relativement simple, mais très longue. Celle-ci, voilà, elle a un step un peu plus haut que la tour de Jalouve. En revanche, elle est moins longue, 2 heures pour boucler, donc voilà, c'est le bon compromis, je pense. Et par rapport à celle que j'ai fait jusqu'à présent, c'est, je pense, aussi la bonne via pour débuter. Elle n'est pas trop dure, pas trop longue, il y a des échappatoires partout où il y a de la difficulté, donc je la recommande vraiment pour débuter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu ou pas, et surtout pensez à vous abonner et activer la cloche, c'est super important pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.